Bonjour et bienvenue au sein de la pierre. Je fais le même principe qu'avec le dolmen vert que j'ai fait récemment. Enfin, récemment, il y a un mois. Donc c'est quoi? C'est simplement, je vais enfourer, ou plutôt, je vais chercher un monument que les archéologues ont reconnu seulement, sans être fouillé totalement. Donc pas de rapport archéologique, ni d'emplacement sur la carte. Par conséquent, même là, pour ce coffre funéraire du chêne, c'est donc comme ça que je l'appelais comme ça, j'aime bien, et bien en fait, ben, pas de situation géographique non plus, et très peu d'histoire, voilà. Donc petite promenade en forêt pour ce petit coffre funéraire. Ça peut être sympathique aussi. Petite devinette, quel animal qui creuse dans un tronc et qui laisse ses crottes à l'extérieur? Hop là, là c'est une crotte hein, ici. Hein. Qui fait ça? Réponse, un jour. Eh ouais, vous avez vu des choses à voir en forêt? Complètement. Tiens, je vais faire un tour là. Il y a toujours des choses à voir, faut juste savoir observer. Avec le respect et le silence qui correspond. Quand je dis silence, hein, c'est que on ne dit rien et puis on ne bouge plus. On regarde, on observe. Ah, c'est magnifique! Ah oui, c'est vrai, le coffre funéraire. On s'égare. Ouais, la forêt, c'est beau, mais c'est le sujet de base en fait. Faut y aller. Moi, je vais me faire engueuler. Je vais vous montrer quelque chose qui, la deuxième fois que je suis venu ici, ça m'a paru intéressant, juste pour le délire. Je dis, tiens, c'est une décoration. Petit cerceau comme ça, je me tiens, c'est joli quoi. Quelqu'un est passé là pour faire décoratif, on décore la forêt. Et en fait, ce type de choses là, ce petit espèce de cercle en je sais pas quel bois d'ailleurs, il y a la même chose juste au-dessus du coffre funéraire. Je trouve ça intéressant, vraiment intéressant. Non, je suis venu ici il y a à peu près mi-mars à peu près. Pour repérer le lieu, j'ai tourné, et je déconne pas, j'ai tourné 2h30 parce que je trouvais pas le lieu. Il est pas sur la carte, nulle part. Donc j'ai tourné pendant 2h30. C'est là, sur la carte, c'est par là. Génial, donc j'ai cherché. J'ai pas trouvé. 2h30 de marche. Bon, ça m'a fait du bien, j'ai vu autre chose. J'ai fait un repérage photo finalement, c'est plutôt cool. Ou pour d'autres lieux, d'ailleurs, pour d'autres lieux. Et je suis revenu après avec une copine, fin mars, pour faire. Pour commencer plutôt le début de tournage d'Absolution, épisode 2, donc post-apo. Et en discutant avec elle, de tout et de rien, on est tombé sur le coffre funéraire directement. Et en moins d'un quart d'heure. Je trouve ça pratique d'avoir quelqu'un pour discuter. C'est par là. Donc Marine, la prochaine fois, je te ramène et on se promènera pour trouver autre chose, un autre dolmen ou un autre coffre funéraire qui ne sont pas marqués sur la carte. Voilà le coffre. Et voilà les petits anneaux au-dessus du coffre. Les archéologues ont daté ce coffre de moins 2000 avant JC. Apparemment, un cairn recouvrait le tout avec un diamètre maximum de 3,50 m. Je l'appelle le coffre
au chêne puisqu'il y a un chêne qui pousse dessus. Les dimensions internes sont de 2 mètres de long pour 1 mètre de large. Alors, c'est quoi un coffre funéraire? Vous savez tous ce que c'est qu'un dolmen. Il est prouvé par A plus B et par archéologie que les dolmens étaient des tombes. Eh bien, le coffre funéraire, c'est un mini dolmen. Au lieu d'avoir quelque chose de massif au niveau de la pierre, eh bien là, c'est directement même le sol avec des petites pierres qui sont pas très hautes, environ 1 mètre de haut maximum. Dedans, on met un corps et par-dessus, on met une pierre. Un coffre funéraire. Il y a l'âge de bronze, l'âge de fer, il me semble. Celui-là, je sais plus de quand il date. Je vous le marque en bas, là. Que vous le sachiez. Et voilà. Courte vidéo, hein. Mais c'est pas grave. C'est bien. C'est bien aussi. Parce que là, je sais où ce qu'il est. Pas besoin de fouiller de droite à gauche. Je vous montre autre chose aussi, qui est à côté. Autant en profiter. Le truc, c'est qu'en fait, la forêt elle pousse sur des pierres qui ont servi probablement. Et il y a des pierres qui sont pas forcément là naturellement non plus. Sauf qu'on peut pas savoir si c'est réellement humain ou réellement, enfin, si le caillou a poussé là, quoi. Oui, parce que les menhirs poussent. Je vous renvoie sur ma vidéo des menhirs qui poussent. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors quand on voit ce type de pierre qui est légèrement allongée et que autour il y a juste des arbres. On peut se poser des questions. Voilà. Est-ce que c'est réellement quelque chose et concrètement quelque chose qui est naturel, parce que c'est quelque chose qui a été humanisé, type menhir par exemple. Donc on ne peut pas non plus faire un colloque là-dessus, ça sert à rien, sachant que c'est une vidéo qui est courte parce que voilà, j'ai trouvé le lieu facilement cette fois-ci. Pas facilement, au bout de 3 fois, c'est pas mal. C'est même bien, je trouve, c'est un record. Ouais, c'est très intéressant. Le coffre funéraire, j'aime bien. On en voit beaucoup moins que les dolmens en fait. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, je pense qu'il y en a beaucoup partout, forcément. Sauf que il y a plus de dolmens voyants que de coffres funéraires. Vraiment. Il y a un fossé, là. Merde. C'est pas grave. On saute le fossé. C'est terminé comme vidéo. C'est cool, hein, c'est plutôt court. On se donne pour une prochaine vidéo, plutôt. J'ai de quoi faire sur Explolize. J'ai beaucoup de matière et beaucoup d'idées à faire. Allez, salut !